Écoutez, on voulait attendre à la dernière minute. Moi, je fais ça tout de suite. Reste en ski. Me mettre en position, mais c'était vraiment impossible. Je ne peux pas me mettre en position de recherche de vitesse sans avoir des douleurs extrêmes. Donc, on a pris la décision hier que c'était impossible de partir pour le jeu. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est difficile de ce côté-là. Je la voulais, cette médaille. Tu sais très bien, Alain, que je l'avais dans la tête, celle-là. Écoute, le corps ne veut pas se puis on dirait que j'ai pas le choix là, en ce moment. C'est vraiment le corps qui décide en ce moment. Donc, j'essaie de passer à autre chose. J'essaie de me fixer d'autres plans, de passer plus de temps avec mes filles, de me changer d'idée un peu parce que c'est sûr que c'est frais. Et ça fait mal. Oui, absolument. En fait, le problème de dos, si on tourne au début, je pense que ça a commencé vraiment avec une blessure que j'ai eue en 2003. Donc, je me suis fait opérer au croisé antérieur. Ils ont pris une greffe à mon ischio jambier côté gauche. Et puis, la force que j'avais dans l'ischio gauche, ça n'a pas revenu à 100%. Donc, je commençais à compenser. J'avais la hanche à droite qui commençait à venir hyper serrée, hyper raide. Donc, j'avais le bassin un peu croche. Puis, à force de l'utiliser au long, j'ai développé des problèmes de dos. J'ai eu un hernie discale à L5. J'ai eu ce qu'on appelle le degenerative disc disease. Alors, il me reste presque plus d'eau à L4. Donc, ça l'a empiré durant les années. Ça a commencé avec le genou. Ça date depuis longtemps. Ça date de 10 ans avant que je commence à travailler avec Scott. Mais Scott, il fait vraiment ce qu'il peut pour m'aider, pour me remettre en forme. Puis, quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, j'avais également des problèmes de dos énormes. Et puis depuis ce temps-là, ça fait 6 ans, comme j'ai dit, que j'ai pas eu de problème de dos, que tout allait bien. Et puis c'est juste, c'est incroyablement dommage que ça ait lieu cette année, à ce moment-ci, juste avant les Jeux. On va continuer à travailler dessus, lui, il y a des bonnes idées, puis il sait un peu c'est quoi le problème. Puis il est confiant avec un peu plus de temps qu'on va pouvoir arriver à 100%. Ouais, alors pour commencer, j'ai confiance qu'avec un certain temps, un certain repos, je vais pouvoir me remettre en forme assez pour que je puisse compétitionner. Oui, absolument. Comme je dis, c'est vraiment le corps en ce moment qui fait les décisions. Alors, si je peux me rendre à un endroit que le dos va très bien, que je me sens en forme, que je suis prêt à attaquer, dans ce temps-là, j'aimerais continuer à skier. Je vais fixer quelques vidéos comme objectif. Bon, Eric, est-ce que je peux te poser une autre question, peut-être? Est-ce que tu vas regarder les jeux ou ça va faire trop mal? Ou c'est quoi ton intention là-dessus? Oui, écoute, j'ai l'intention d'écouter les jeux, absolument. À date, il faut dire que dès le début de la saison, j'ai eu des problèmes. Alors, j'ai quand même passé quelques courses que j'écoutais pas, que j'essaie de passer à autre chose complètement. Mais rendu au mois de janvier, j'ai commencé à écouter les courses à 20 pieds, à Kédido, la Garmèche. Ça fait mal quand je les écoute, mais de l'autre sens, j'ai de l'intérêt. Je veux voir comment les gens comment ils performent. Puis j'ai de l'intérêt également pour les Jeux olympiques. Alors, je vais encourager les Canadiens, puis on va les écouter à 100%. Yeah, I just wonder, you say you might come back next year, but have you already started thinking about what you're going to do after your career, you know, when you finally decide to stop skiing? Nothing concrete yet. I mean, I guess I'm torn a little bit in two directions. On the one side, I'd like to sort of start something completely new and get away from skiing a little bit. On the other side, you know, I have 4 young girls who are in ski racing and they're starting to be competitive. So on that side, I'm obviously getting involved with them. But for the moment, you know, I'm just trying to get healthy, get my back into a place where, you know, hopefully I can compete again. And if not compete again, at least live a healthy lifestyle where I can ski with my girls. And after that, you know, I'll take a decision what venue I want to get into and what I want to pursue long term. Thank you. Pleasure.